Salut, salut à tous, c'est Kishnifu et c'est parti donc pour la quatrième vidéo sur ce jeu. Allez, on charge et c'est parti. On va continuer. Moi, je suis plutôt bien content. La dernière fois, on est allé plus loin que ce que j'espérais par vidéo, c'est-à-dire on a fait un monde, un tiers. Voilà, on a fait tout un monde, donc 3 niveaux par monde, je le rappelle. Et on a fait un petit niveau du prochain monde. Donc le prochain monde qui était... Attendez, je vais mieux placer le micro là. Voilà. Charger, oui. Oui, c'est ça, charger. Hein. Ouais. Alors, oui, donc j'avais fait un niveau de la neige. Et après, je me demandais en fait... Ah tiens, j'avais pas vu au sol, en fait, c'est un chibi... c'est un chibi Spike. Ah, j'avais pas vu sa tête. Oh, il est trop classe. Là, il y a ses yeux, là, si vous voyez pas bien. Là, il y a ses... Mais attends, mais... Qu'est-ce qu'il a, en fait, ici? J'allais dire, il a une casquette, et là, c'est ses cheveux, mais non, en fait, c'est ses cheveux, les trucs rouges. Donc, qu'est-ce qu'il a, là? Il a une mèche blonde rebelle Ouais, c'était peut-être... le style de l'époque. Non. On n'avait pas les cheveux rouges avec. Non, mais je sais pas. Des fois, des cheveux décolorés, je sais que ça se faisait bien vers les années 2000. Enfin, j'avais des amis qui le faisaient. Enfin, bon. Voilà. Après, je sais pas. Donc, bon. Enfin, bon. Bref, là, on est parti un petit peu n'importe où. Oui, donc j'avais fait un niveau de la neige. Bah, de toute façon, si vous regardez cette vidéo, je pense que c'est parce que vous avez suivi les précédentes. Hein. Bon, je sais pas, à moins que vous soyez bizarre, et dans ce cas, non, je ne veux pas savoir la manière dont vous pensez, parce que... Enfin, bref. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, que ben, je me demandais tout simplement qu'est-ce qu'il allait avoir après le niveau de la neige. Parce que bon, on a eu l'ère préhistorique, on a eu... la neige, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, avec les dinosaures... Et on a eu, ouais, les ruines. Ouais. Ouais, ça se ressemblait quelque peu, remarque. Entre premier et deuxième, ça se ressemblait. Après, ben, on a eu... Ouais, en fait, les trois premiers se ressemblent assez, en fait. Il n'y a que la neige qui est vraiment, vraiment très différente. Et je sais qu'il y en aura un autre. Ce sera, ben... Un monde technologique. Si mes souvenirs sont bons. Parce que je vous rappelle aussi que ça remonte à 10 ans. Au moins 10 ans, hein. Ah ouais, et que j'y ai joué en fait qu'une seule et grosse fois, pendant 10 heures d'affilée. Bon, et du coup, je me demandais, ouais, je me dis, bah peut-être qu'après celui-là, peut-être qu'après ce monde-là, on sera peut-être au monde... Spike, un nouveau gadget, bah c'est peut-être celui que je pense. Ah bah oui, je crois que c'est lui. Je te les envoie, et scellez dans ta zone d'entraînement. Finis cette phase, sinon tu ne pourras pas passer au niveau suivant. Alors, je pensais qu'il était bleu, mais en fait j'ai dû me gourer avec l'espèce de cerceau, même si le cerceau je crois qu'il est bleu-vert. Et non, mais en fait je me souvenais réellement d'un gadget qui nous faisait voler, enfin qui nous faisait planer. Et je crois que c'était bel et bien lui, et après je me souviens pas d'autres gadgets, à moins qu'il y en ait un bleu encore et que je me souviens pas, parce que j'ai vraiment souvenir d'une chose bleue, mais je sais pas comment il s'en sert ça, ouais, je peux pas m'en servir si, ah si. Ouais si, c'est ce mouvement là que je me souvenais, en fait je me souvenais d'un mouvement où on pouvait un peu planer et justement il levait le bras comme ça là. Ouais bah c'est lui alors. Ah ouais, c'est ça. Et si je continue? Ah ouais, d'accord, vaut mieux continuer comme ça. D'accord. Oui, bon, j'ai compris comment ça marchait, du coup. Et donc, après, je sais pas s'il y a d'autres gadgets. Parce que, en fait, après, comme je vous ai dit, si jamais il y a le monde technologique, bah, c'est là où je me suis arrêté, je crois. Mais en même temps, après, un niveau technologique, l'époque technologique, je sais pas trop ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Donc, est-ce qu'on était arrivé au dernier monde? Ça, je ne sais pas. Je découvrirai ça en même temps que vous. Alors, avec les listes célestes, tu peux aller plus haut qu'en sautant. Plus haut qu'en sautant. Ah, d'accord. D'accord, j'avais compris autre chose. Quelle invention géniale! En fait, j'ai cru qu'on pouvait aller plus haut seulement lorsqu'on sautait avant de l'actionner. Alors qu'en fait, non, c'est plus haut que quand on saute habituellement. Et là, j'ai mon son qui vient de s'enlever. Là, record du monde, 5 minutes. Donc, eh ben, moi, je m'en ai rien à foutre.
je vais enlever mon casque, voilà. Et je vais mettre le son de la télé. Voilà. Bon, pas trop fort pour pas que ça s'entende dans le micro et que ça fasse une double. Alors là, ça fait déjà peut-être un peu fort. Parce qu'avec les petits sons aigus. Bon, voilà. Allez, bref. En tournant le joystick droit, tu voles haut dans le ciel. Fais le tourner quand tu voles pour aller encore plus loin. Ok, ouais, bon, ça va. Fastiche. Je suis déjà un pro. J'ai des souvenirs, là. C'est bon. Oh! Est-ce que quelqu'un a parlé d'utiliser l'hélice céleste pour aller encore plus loin? Tu peux voler plus loin en la faisant tourner sans arrêt en l'air. En vol, serre-toi du joystick gauche pour te diriger. Entraîne-toi à utiliser le joystick. Tu peux utiliser... Eh oui, avant, quand il n'y avait pas les joysticks, les gens devaient s'entraîner à utiliser les joysticks. Et c'est peut-être le jeu, en fait, qui a initié beaucoup de joueurs au joystick. Sûrement. Alors, tu peux utiliser l'hélice céleste quand tu sautes. Saute en appuyant sur R1. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends, putain, on en est au 1, 2, 3, 4e monde. Et l'autre, il nous dit encore qu'il faut appuyer sur R1 pour sauter. Il pourrait très bien juste nous dire saute et fait tourner le joystick droit. Mais non, saute sur R1. Enfin bon, non. Je gueule pour rien, là, je sais, mais c'est marrant, en fait. Enfin, voilà. En même temps, c'était assez peu commun, quand même, de sauter avec R1. Oui, c'est bon. Allez, me dis pas ça. Allez, go. Allez, attention. Oh, c'est bon, ils sont gentils, ils ont mis un truc en dessous au cas où. Allez, c'est bon, je suis un gros pro, là. Ça y est, c'est bon, à moi, on me la fait pas, là. Quel pilote! Ouais, attends, tu m'étonnes. Ah, franchement, ouais, c'est le gadget presque qui va nous servir le moins à capturer les singes, mais c'est un élément de gameplay, c'est un élément qui améliore le gameplay, et... Ça se connaît bien que dès que le gameplay est amélioré, dès que le gameplay est agréable et plus instinctif et nous permet de faire plus de choses, le jeu en devient infiniment mieux. Et donc du coup, je sais pas, je trouve que pour l'utiliser déjà ça va super bien, c'est super instinctif et c'est, je sais pas, il peut nous faire aller plus loin, plus haut et tout ça, c'est nous faire planer, c'est comme un jetpack quoi dans... je pense notamment à Donkey Kong Country Returns là, que voilà, si vous avez simplement Donkey Kong, bah vous allez sauter au-dessus d'une corniche, mais vous risquez de tomber, alors que dès que vous avez Diddy avec vous, bah vous pouvez planer et tout, et ça vous change complètement le gameplay. Et bah là c'est un petit peu pareil. Bref, quel pilote? Tiens, je vais te montrer un truc. Quand l'hélice céleste tourne, tu peux voler plus longtemps en faisant tourner. Mais ils l'ont dit ça. Comme ça, tu peux voler plus longtemps. Mais... Ouais, bon, d'accord, il se répète pour que les gens qui auraient pas compris... ouais, d'accord. Allez, on va faire style. Alors là, il y en a combien? 6? Allez, bah, c'est bon, avec cette nouvelle hélice là, on va pouvoir aller les attraper comme on veut. Et même, c'est pas mal parce que tous les niveaux qu'on avait fait avant, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait pas atteindre sans... Oh bah tiens, bah là, il y en a même 2. Qu'on pouvait pas... Ouh, alors, le son peut-être un peu fort là, ça peut-être s'entendre. Oh, j'essaierai de caler le son et l'image parfaitement. Oh, sympa. Ah, pas mal. C'est coloré. C'est bien coloré. Bon, bah, c'est du décor PS1 quoi. Hein. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est sympa. C'est joli. Voilà. Alors, par contre. Le cerceau, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, select, ils avaient dit que c'est beaucoup plus simple, voilà. Et, tiens, il y en manque un. Ouais, ça peut être dans l'ordre. Enfin bref, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on va enlever? Ouais, le cerceau, ouais. On va faire ça, on va enlever le cerceau, parce que l'épée, ça sert. Le lance-pierre, ça peut toujours servir. Et puis, bah, le filet, hein, évidemment. Donc, on va faire comme ça, et si jamais on en a besoin plus tard... Ah, un singe, non? Pas un singe dès le début là. Tac. Oh sympa là. Il y a pas mal de petits trucs. On va faire plein de vie d'ailleurs. Je sais même pas combien j'ai de vie. 6, c'est pas mal. Bon, je. Ce qu'il y a, c'est que je m'attends d'un niveau à l'autre à galérer. À galérer comme un. Mais putain, mais revenez! À galérer comme un dingue. Ouais, je m'attends vraiment à ça. Parce que bon, pour le moment, il y a certaines phases qui ont été assez complexes, mais pas assez encore pour me faire galérer comme une grosse merde.
à tel point que je reste bloqué dans un niveau et que je commence à vous faire chier, parce que vous en avez marre que je recommence à chaque fois. Non, pour le moment, ça s'est pas encore arrivé. Alors, attends, il y a... Ah oui, mais non, d'accord, c'est là où je viens. Donc, peut-être que ça n'arrivera pas. Peut-être que je vais être un PGM, mais jusqu'à la fin du jeu. Peut-être. Et mais voilà, on va voir. Mais bon, j'en doute, hein, sincèrement. Parce que bon, même si en étant plus petit, on est peut-être parfois un peu moins fort, un peu moins vigilant. Même si je me souviens quand même. Je dis qu'on est peut-être moins fort quand on est plus petit. Mais franchement, à 10 ans et même moins des fois, je finissais des jeux que où je faisais des scores qu'aujourd'hui, j'égale ou ai du mal à dépasser. Sincèrement. Donc, oh, toi, je vais t'avoir. Oh putain, ils sont tous là, tous les deux. Oh putain, hey, maintenant c'est une boule de neige, non? Ah non, c'est son canon. Ah oui, il a un canon. Allez, toi, je peux t'avoir comme ça. Oh punaise, et j'ai plus que 2 biscuits. Oulala, oulala. Alors là, faut que je fasse attention, là. En plus, c'est... Alors, là, c'est chiant. Parce que c'est un endroit restreint. Et du coup, eh ben, je galère comme une merde pour les viser à cause de la caméra. Là, c'est la caméra qui fausse tout. Ouais, mais ça sert à rien. Merde, j'ai encore changé de... Putain. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Il s'affole un peu, donc on va essayer d'y aller comme ça. On va prier pour pas qu'il nous voit. Et on va l'attraper. Non, il est pas là. Il est pas là. Il est là. Tiens! Et le deuxième? Oh non, trop tard. On se relève. On l'a... Oh, punaise! Non, 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 t'énerve pas, petit singe, t'énerve pas. T'es où, petit singe? Ah, t'es en rouge encore, c'est pas bon, ça. Allez, viens là, viens là! Viens là, t'affole pas! Allez, viens! Mon piti! Mon piti singe-ounet, viens là. Mais oui, t'es beau! Oh, il m'avait vu! Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... Ah non! Non, non! Oh, je l'ai fait trop tôt! Ah bah alors là, j'ai plus droit à l'erreur, là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je... Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il soit au-dessus d'une plateforme. Et je vais... Merde, comment on fait? Ah oui, je vais le viser. Tac! C'est bon? Non, il était pas au-dessus d'une plateforme! Ah, la perspective, la perspective. Bref. Bon, et ben, on en a déjà deux, alors. Et maintenant... Il y a des photos. Ouais, et maintenant, je vais où? Ah, il y a une pièce de spectre là. Non? Ah, attendez, mais je crois. Mais oui, mais bien sûr, je crois savoir où aller. À mon avis, il va falloir aller. Oh, quoique non. Y a rien là au-dessus qui. Tac, tac. Ah, mais non, non, c'est un plafond. Bon, eh ben, j'ai dû louper quelque chose. Très certainement. On peut pas aller en bas là, non, non, non. Non, sinon on crève là. Ouais, j'ai dû louper. Ah, mais oui. Peut-être là-haut, là. Ouais, il doit y avoir quelque chose. Alors, eux, on va essayer de les avoir. Hop. Hop. Putain, encore. Oh, merde. Merde. Mets-toi comme ça. Voilà. C'est bon. Heureusement, il m'attaque pas. Oh, putain, un biscuit. Un biscuit. Ah, ça fait du bien. Bon, maintenant... ouais, bon, ben, lui, j'aimerais bien l'avoir, quand même, parce que sinon... Oh putain, pourquoi ça m'a mis ici? Parce que si je peux avoir un biscuit en plus, eh ben, je serais pas contre. Oh, il est tombé, mais il y a une plateforme là en dessous, non? Bon, vite, on va tomber en espérant que... Ouais, ça c'est bien, ça. Eh ben, c'est bon, là, je reviens un petit peu, là. Ça fait du bien. Alors, oui, donc, c'était ici, évidemment. Alors, toi, me touche pas, s'il te plaît. Mais réapparaît, ce serait pas mal. Voilà, merci. Oh putain, hey, je l'ai pas eu. Voilà. Oh, un biscuit, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ah si, c'est sympa. Hein. Là, un petit mélange entre le naturel, l'herbe et tout ça, et le froid de la neige, de la glace, c'est... Aïe. Ouh, j'ai cru qu'il avait tiré. Tiens. Voilà, ça y est, j'ai toute ma vie. Là, j'allais me croire sur un émulateur ou sur un jeu où on peut sauvegarder
de partout et j'allais sauvegarder. Mais non, non, c'est pas aussi facile à l'époque. Hein. C'est pas dès que t'as toute ta vie, tu sauvegardes et tu recommences de là. C'est tu subis et tu gardes ta vie. Tu fais en sorte de... Eh ben, de rester en vie, quoi. Alors, tu sais, en appuyant, je sais, tu peux aller directement à l'écran des sélections des gadgets, mais oui, je ne savais pas ça. Attends un peu. Est-ce tu l'as? Il manque le que, là. Est-ce que tu l'as programmé sans ma permission? Ah, il y a des petites fautes, des fois, ouais, des manques, des... Ouais. Marrant. En même temps, c'était pas... Oh, putain de chiottes. C'était pas une priorité à l'époque, hein. Oh, heureusement que j'ai glissé, parce que je l'ai loupé. Tiens! Bon, il est où, là? Je l'ai eu? Il est où? Oh, non! Foiré! Il est où, là? Putain, mais je me fais chier avec... En plus, la caméra, là, désolé, mais... Ah! Putain, mais c'est pas évident, hein, les avoir en plein vol. Ah, même pas de cookies, là. Allez. Hop. Hop. Oh, putain! Oui! Oh, réflexe de dingue. Et un cookie, c'est bon, ça. Ah! Un petit singe, intéressant. Mais avant, on va les éliminer, eux. Oh! Foiré. Tiens! In your face! Toi aussi. Hop! Eux, ils me rendent un coup. Et là, on va y aller doucement. Je sais même pas si ça disparaît. Ah si, ça disparaît! Ouh! Tu l'as! Yes! Bon, ça va. Alors, et maintenant? Et maintenant? Ah, il y a là. Et là, c'est... Voilà, c'est un mur, là. Ouais, bah, excusez-moi, des fois, on voit pas bien. Alors, ouais, d'accord. Donc là, il y a de l'eau. Je déteste ça. Mais je crois bien qu'on va être obligé d'y aller. Voir un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Ah, 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 j'ai bien fait, ça, tiens. Yes! Je vais bientôt débloquer le deuxième jeu, d'ailleurs. Si ce n'est pas déjà fait. Alors. Bon, on va récupérer un petit peu ça. J'en suis à combien? 82. Bon. Eh ben, on va essayer d'atteindre les 100 dans ce niveau. Ce serait pas mal. Mais bon, là, je galère un petit peu. Oui, oui, oui. Remonte. Vite, vite. Remonte. Ouais. Non, mais là, en fait, je veux bien. Mais il faut aller où? Une ouverture là en bas? Non, il n'y a que dalle. Mais... Oui, d'accord, c'est cool. Mais en fait, il faut aller où? Hein? Mais... Ah! Ah, mais si, c'est bien ce qui me semblait, là. Je me disais, il y a quelque chose, mais en fait, c'était au-dessus. Et oui. Alors... là, il y a des pics qui sortent, non? Ah oui, voilà, c'est ce qui me semblait. Donc il faut que je me grouille! Voilà! Et là, il y a des boules de neige un petit peu carrées. Des boules de neige carrées. qui... Ou polygonales, allons dire. Qui dégringolent un petit peu bizarrement la pente. Mais c'est normal, je me fous de la gueule du jeu. Je sais, je devrais passer pas bien, c'est pas gentil. Putain, mais allez! J'y étais, là! Mais je suis trop loin? Ah, mon méo. Putain, vite, grouille, passe. Voilà. Vite, 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 voilà. Putain, il a fait du slide sur le mur, là. Énorme. Le truc, il est pratiquement à 90 degrés, il arrive à l'escalader un peu. Il se la joue à la parcours, là. Bon, alors là, je suppose que ça glisse. Non, ça glisse pas. Mais il serait peut-être plus judicieux du... Non. Non, en fait, non, j'allais dire utiliser le cerceau, mais non, merci. Je n'ai pas très, très, très envie de l'utiliser parce qu'il est assez casse-gueule, surtout ici. Donc, tant que ça glisse pas, eh bien, écoutez, on va en profiter, on va y aller à pied. Hein. Et petit à petit, voilà, plus que 4 et j'ai une vie. On va attendre que la boule de neige passe. Maintenant, on y va, tranquille, pépère. On n'a même pas eu besoin de faire taillot. Alors, là, au-dessus, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Il y a effectivement une plateforme. Mais à quoi celle-ci va-t-elle servir? Ah, un singe que je vais capturer maintenant! Il m'a même pas vu, ce con. Alors. Eh ben, plus que deux, déjà. Oh, purée! Ouais, donc ce niveau est un peu plus long.
peux dire que j'ai bien fait d'avoir fait le premier la dernière fois. Parce que comme ça... ça n'aura plus. Oh, on aura largement le temps, je pense, de terminer ce monde. Hein. Mais dans cette vidéo, j'aimerais bien... Je suis vraiment curieux... Ah, ça y est, j'ai une vie. Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il y aura après ce monde. Donc vraiment, j'aimerais bien découvrir dans cette vidéo-là. Oh, chiotte. Merde. Chiotte, merde, dis donc. J'aime bien ce champ lexical en ce moment. Putain, mais merde! Je les aurais tués pour récupérer ma vie que j'ai perdue contre eux, quoi. C'est con, ça. Bon, toi, tu vas disparaître, voilà. Allez. Et... Oh, putain, salaud. T'es où? Oh, purée, c'est bon. Ah bah non, j'ai même pas eu de biscuit. Radin, va. Bon, on va y aller comme ça. Oh, mais c'est parfait, il y en a qui apparaissent. Aïe, ah bah non, c'est pas si parfait que ça, en fait. Même quand je glisse après... Ah ouais, non, je peux pas sauter une fois que je glisse. Bon, alors on va faire ça. On va faire ça, et là... Tac. Oh, purée de chiottes. Allez, oh, oh. Mais lève-toi, toi. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, bah c'est bon. Des petits bugs qui m'ont empêché de glisser. Bah écoutez, tant mieux. Et là, j'en vois un autre. On va y aller doucement. Il est rouge, lui, ça veut dire qu'il... Ah, c'est-à-dire qu'il me repère de loin, non? Il glisse. Oh merde, une bombe. L'enfoiré. Bah écoute, viens là. Je t'en prie, viens là, hein. Moi, y a aucun souci, tu peux venir, hein. Putain, c't... Oh, mais salaud. Oh, attends, viens. Oh, hé, hey, je t'ai eu, là. Oh, le bug. Non, mais... Attendez, faudra revoir la vidéo, là. Je crois que pendant qu'il m'attaquait, il était pile dans le filet, en plus, hein. Faudra... Le jeu, il peut pas gérer les deux en même temps. Bon, bah, tant pis. M'en fous, de toute façon, je l'ai eu. Hop, là, 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 là. Non, tombe pas, tombe pas. J'ai pas eu mon cookie. Bref. C'est bon, il n'y a aucun risque, là. Ok, c'est bon. Ah, toujours aussi bonne architecture de niveau. Je me répète, je sais, mais regardez. Mais même belle couleur, hein. Ça se marie bien, le beau bleu de l'eau, là. Avec... avec un petit peu les roches, la roche un petit peu enneigée. Ouais, c'est beau, hein, quand même. Là, je peux pas y aller au-dessus, je crois. Ouais, bah non, parce qu'il y a ça, ok. Bon. Hop. Allez, c'est reparti pour le gameplay de fou. Ah oui, non, j'ai... Il n'y a pas un singe dans l'eau, non? Ah, et par contre, il y a une pièce de spectre dans l'eau. Mais désolé, j'ai pas envie de m'y risquer. Oh, bah, le dernier singe est ici. Donc, c'est parti. Ah, mais il va aller sous l'eau, ce con. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a une soucoupe volante, ce con. Et je peux pas l'attaquer? Mais qu'est-ce qu'il me fait, là? Il a bu ou quoi? Mais viens là! Mais viens là! Mais... Non, mais... Mais... Tiens! Non, mais... Mais ça y est, il se la joue à la Star Wars, là, presque. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Oh, viens là, le singe, là. J'aime pas trop ce que tu me fais, là. Tiens. Ah, foiré. Je vais t'avoir. Bon, comme ça, hop. T'es pas très très intelligent. Ah, punaise. C'est pas évident, hein. Tiens. Voilà. Et vite, vite, vite. Va pas dans l'eau, va pas dans l'eau. Va pas dans l'eau. Non, il a été dans l'eau. Bon, eh ben, c'est qui tout double? De toute façon, c'est le dernier. Merde, comment on accélère déjà? Ah oui. Putain, il est passé où? Putain, je te poursuivrai jusqu'au bout du monde. Tiens! Ouh! Très bien. Pff, attends, je suis Spike, moi. Le maître du filet, là. Attends, tu crois quoi? Pouah, ça va, ça va, ça va. C'est pas encore trop dur, enfin du moins pour moi. J'ai rien dit. Pas mal. Ouais, je sais, pas mal. Ouais. Eh ben, bien, 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 bien. Bon, toujours pas débloqué le deuxième niveau, mais je dois pas en être bien loin. Enfin, le deuxième niveau, le deuxième mini-jeu. Hop, 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 doucement, non, 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 je voulais pas y aller. Faut d'abord que j'aille sauvegarder. Là, la montagne.
Ouais, d'abord je vais sauvegarder. Et si après on a le l'époque technologique, alors là je sais pas. Alors là, ce sera le moment de vérité, bah, lors de la prochaine vidéo, hein. Parce que, voilà, c'est tout. Parce que je sais pas, parce qu'on verra. Sauvegarder, oui. Ouais, on va bien voir si l'ère technologique sera la dernière, mais à condition que je parvienne à la passer, hein. Continue la partie, oui. Au moins, on sait que si on a des game over, on a des sauvegardes, donc aucun souci. Je veux dire, au moins l'Odyssée ne pourra pas être gâchée, ou ne pas être à refaire. Parce que bon, c'est aussi le risque de refaire des anciens jeux, c'est que parfois il peut se passer ça. Vous faites game over et on va commencer depuis tout le début. Mais bon, depuis la PS1, ça, la mémoire et tout, ça avait disparu, ce genre de choses. Terme des singes. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau là? Rien du tout. 7 singes. Ah non, 6. On en a souvent 6 à avoir. Allez, let's go. Ah, sympa la musique. Joli. J'aime bien. Oui, il y a des symboles Shintok là. Alors, oh bah, il y a un singe déjà juste là. Est-ce qu'on a un autre aux alentours? Il n'y a pas l'air. Donc, lui. On va pas l'affoler. C'est bon, t'es pas affolé? Bon, bien. On va faire comme ça. On va y aller doucement. On va passer derrière lui. Il est en train d'admirer le beau ciel étoilé. Et tu vas finir dans mes filets. Yes! Oh, il m'avait vu quand même, ce con, hein. Et là, waouh! Oh, avec des aurores boréales! Pas mal. C'est-à-dire que là, on serait vers un pôle. Parce que oui, là, la plupart du temps, les aurores boréales sont. Ça c'est quoi déjà? Ah oui, c'est pour avoir des cookies. Bon bah ça je vais y garder parce que ça pourrait bien me servir. Notamment si lui il me touche là. Ouais, les aurores boréales, c'est dommage, j'en ai jamais vu. Moi je vais jamais au pôle. Pour en voir sur le reste de la Terre, ben il faut espérer un gros coup de chaleur du soleil. Mais malheureusement, bah. Enfin malheureusement, plutôt heureusement, parce que bon, parfois ça peut faire des gros dégâts, genre canicule et tout, donc bon. Non non merci. Alors bon. Là-bas, il y a un autre. Bon, ça va, ils sont assez simples. Ah! Heureusement. Ouh là 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 là. J'allais dire, ils sont assez simples. J'ai failli me faire avoir par deux fois quand même. Bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chemins. Il y en a là, je crois qu'il y en a sous l'eau. Non? Ouais, il y a l'air. Bon, ça doit amener au même endroit, je pense. Mais, on va voir s'il n'y a pas un autre petit endroit où on pourrait aller avant. Ouais, ici par exemple. Ah, moi je me souviens, dans l'ère technologique, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on va augmenter, on va grimper. Vraiment, à un moment, je me souviens réellement d'un moment, mais oh, je sais même pas si quand on y sera, je pourrais vous dire lequel c'est. Parce que là, mais je me souviens, je sais pas, d'un moment. J'ai l'impression de me souvenir comment est l'ère technologique, mais c'est très 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 vague. Je sais qu'à un moment on escalade beaucoup et on peut risquer de tomber. Je sais qu'on s'était fait. Je me souviens qu'il y a des tapis roulants, je crois même, à un moment. Mais alors là, ça reste du souvenir de 10 ans. Alors plus loin, il y a un pont de glace. Franchis-le aussi vite que possible avant que la glace ne cède sous tes. Ah, et ben. Là, par contre, je vais devoir utiliser le cerceau. Allez, un petit bonhomme de neige là. Faut le bourriner. Et c'est bon. Tac, parfait. Et là, ah oui, d'accord, comme s'il n'y avait pas assez de difficultés. Bon, on va pas utiliser le cerceau. On va plutôt utiliser ça. Oh putain de con! En fait, s'il fallait utiliser le cerceau. Ouh, aïe, 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 aïe. Ouh, et ça me fait mal. J'essaye, allez, j'essaye. Ah bah oui. Je sais pas, j'aurais pensé que ça aurait pu, je sais pas, m'emmener plus haut, mais non. Bon, bah tant pis. Est-ce que je reprends? Si, je vais en profiter. Tac. Quand je sais toujours pas si. Ah, dommage. Bon, au moins je le saurai maintenant. C'est-à-dire qu'il peut en redonner, mais peut-être à l'infini. Bah, c'est étonnant. Mais peut-être.
un super ravitaillement. C'est pas mal. Ah, tiens, j'avais pas pris ça, là. C'est dommage. Oh, putain, con. Merde. Allez. Allez, allez, allez. Voilà. Putain, non. Ah, faut vraiment... Voilà. Bon, alors, comment on va faire avec ce pont, là? Bah, de toute façon, puisque les boulets ne prennent pas la totalité du pont, eh ben, il va falloir faire un petit slalom avec le cerceau. Oui, oui, là. Allez, c'est parti, attention. Mais putain, mais non! Oh non, mais non, faut que je resélectionne ça. Tac. On va y arriver, hein. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Ouais, c'est que je l'ai pas actionné assez tôt. Dommage. Allez, oh putain, je peux même pas y aller de là. Il y a lui qui va me faire chier encore. Ah, ça va. Ouais, c'est bon, je commence à devenir un pro. Même si, bon, j'ai l'air un peu d'un con avec le joystick, là. Alors, tac, 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 tac. Et là, on va un peu plus se concentrer. Allez, go. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais franchement, là, j'étais à fond. Je pouvais pas aller plus vite. Oh, putain, ça m'entraîne. Oh, en plus, j'ai vu un singe. C'est fait exprès, ça. Hein. On me fout de la pression, se dire « Putain, il y a un singe, mais je peux pas y aller !» Oh, mais accroche-toi. Pourquoi tu t'accroches pas? Obligé de faire ça. Bon, bah, je réessaye une dernière fois, et si j'y arrive pas, eh ben, je vais un autre chemin. Mais ce serait dommage. Non, il faut que j'essaie jusqu'au bout, là. Ou alors, ce que j'aurais dû faire, c'est garder... Ouais, c'est ça que je vais faire. C'est que je vais garder l'hélice. Et au cas où ça tourne au vinaigre, bah, je vais essayer de... De me démerder le plus possible pour... Ah, attends. Là. Pour activer... Ouais, ça va être chaud. Bon. Merde, j'utilise pas le bon. Allez, go. Oh oui. Tiens, dans ta gueule, toi. Pas mal. Ah, pas mal, ça. Ah, ça, c'était bon, ça. Bon, toi. Oh, putain. Réapparaît. Allez, réapparaît. Putain, il était là. Là. Bim. Allez. Déjà presque à la moitié, avant d'avoir une autre vie. Par contre, je remarque que j'ai 3 cookies. Il m'en faut, là. Donne-moi des cookies, toi. Donne-moi des cookies. Allez. Oh putain, il est pas gentil. Ouh là là, j'ai failli me viander. Toi, je vais t'avoir de loin. Alors là, c'est mieux. Je vais renlever le cerceau. Je vais remettre le lance-pierre. Parce que mine de rien, ça m'aide. Tac. Et toi, dès que tu réapparais, t'es mort. Et voilà. Moi aussi, je suis prévenir l'avenir. Prévoir l'avenir. Prévenir l'avenir. Moi, français. Hop. Allez, allez, allez. Ce serait pas le moment de tomber. Oh, putain, toi. Non, m'attaque pas. Non, ne tombe pas. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Reviens là. Mais putain, le con. Mais... Putain, je vais t'avoir, toi. Je vais t'avoir. Putain, mais c'est... Oh. Vite, vite, vite. L'autre, il m'attaque, là. Voilà. Allez, donne-moi... Mais il est tombé. Ouais, j'étais... Ah non, j'ai cru que j'étais allé au plus haut, mais non, non. Allez, allez. Putain, il m'a bien fait chier, ce singe. Hein. Mais bon, quand on est sur une surface assez restreinte et qu'en plus, c'était un singe attaquant, pas forcément galère. Merde. Ah, c'est pas évident de tourner le joystick. Ah, toi, t'es gentil, tu vas me donner des cookies, toi. Ouf. Ah, un cookie, c'est déjà pas mal. Oh putain, non, encore. Est-ce que... Là, si vous entendez vibrer, c'est mon téléphone qui vibre.
Mais pas de souci, je répondrai plus tard, dès que j'aurai terminé la vidéo. Bon, alors là j'hésite et je me dis que je pourrais peut-être utiliser l'hélice pour aller directement dans l'eau. Eh ouais. Bon bah on va tenter, hein. On est des fous, on est des gros dingues. Voilà, on va prendre le cerceau et j'ai envie de dire, c'est parti pour les dingues. Aïe, 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 c'est bon. Yes, alors, le lance-pierre, voilà, c'est ça que je cherchais. Là il y a une entrée, mais dans l'eau qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Là il y a rien en plus. Si, ah si, il y a des espèces de petits machins. C'est quoi ce machin là? Ah c'est une vie. Ouais mais il y a l'air d'avoir du courant et j'ai pas envie de tout retomber en fait. Ouais, on ira la chercher un autre jour. Alors qu'est-ce qui est ici? Combien il m'en manque? 3 quand même encore. Là, là il y en a. Alors, ouais, lui, il a l'air bien agité, lui, hein, comme singe. Oh là, il me voit déjà de là. Je suis là. Oh, foiré, oh. J'ai actionné mon truc. Tiens. Bah, dis donc. Ah, ils font chier, quand même, hein. Putain de singe. Ah, bon. Alors là, la musique, elle a changé un peu moins bien. Il en faut pour tous les goûts, hein. Très belle fresque de Spectre. Qu'est-ce que je le respecte celui-là. Je crois qu'en fait je l'aime tellement que quand on va arriver au monstre final, bah je vais pas le tuer. Voilà. Ça, ce sera vite vu. Bon, là je vois des trucs sur le toit. Alors je me dis que peut-être. Avec une vie en plus. Ah ouais, bah oui. Ça va être difficile là. Ah bah oui. Ah, mais c'est même très 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 difficile là, dis donc. Comment on va faire ça là? Ah, c'est des sources chaudes. Énorme. Ça fume, donc c'est que c'est... Ouh, toi, je t'avais pas vu, toi. Et toi non plus, tu m'as pas vu. Mais t'as l'impression qu'on te suit. Eh ben oui. Alors. Ouais, ça va être chaud, mais à part si... Oh, putain, il y en a un là. Oh, 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 oh. T'as pas eu le temps. Ah, oh, ça y est, c'est fini. Ah oui, d'accord. Ah, il y avait une pièce de spectre. Bon. Oh bah dis donc, mais lui, pour avoir les 3 derniers, ça a été rapidos, là. Hein. Ah bah là, on va enchaîner, hein. Et ça y est, je vais voir. Il y aura peut-être une course aussi, parce que je sais qu'on en a une. On en a eu une entre le 2e et le 3e, et là, bah, peut-être entre le 4e et le 5e, du coup. Peut-être qu'il y aura 6 mondes, en fait, finalement. Ah, on sera peut-être pas à l'ère technologique. Ah bah oui, exact. Voilà, tous les 2 mondes, il y en a un. Et à mon avis... Il doit y avoir 6 mondes en tout. Je t'attendais, Spike. Ce sera un combat entre toi et moi. Pololo. Alors là, j'espère que je peux faire mes, utiliser mes gadgets. Parce que du coup, j'utilise le... Ouais. Ah, mais je peux utiliser que l'hélice. Mieux. Aïe. Bon. Ah, mais ouais, lui aussi, il l'a. Allez, allez. Putain, il l'a pas fait. Alors, est-ce qu'il va être autant de cheaté que dans l'autre? Ah, lui, il saute pas, lui, avant. Ça peut peut-être lui faire gagner un peu de... Ouais, est-ce qu'il va être autant de cheaté? Je sais pas. Je demande à voir. Hop. Parfait. Oh, merde, merde, merde. Oh, merde, fallait juste sauter. J'ai perdu du temps, là. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. C'est amusant ces courses, mais alors... c'est pas évident. Il en voit plus rien avec le clipping. Oh putain, c'est de la lave. Mais c'est de la lave. Merde. Ah. Oh. Non, il l'a pas fait. Non. Non. Et c'était la fin en plus. Je vais devoir le refaire encore une fois. Oh non, je... Et là encore, il l'a pas fait. Oh là là, je tourne... Je suis trop... je veux aller trop vite. Oh, c'est... Oh non, c'était la fin. Mais ça va, je vois que c'est possible. C'est largement possible, mais là... Putain!
Oh, j'aurais pu la voir. Du premier coup, j'aurais pu la voir. Saleté. Ouais, je sais que t'as gagné. Mais je vais prendre ma revanche, tu vas voir. Bon, et du coup, je vais voir. 7. Ouais, je dois pas avoir perdu de vie. Bon, tant mieux. Parce que ça, ça me ferait chier de perdre une vie. Surtout que c'est facultatif, quoi. Donc. Alors, qu'est-ce que c'est? Temple tranquille? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les premières habitations. Ouais, ça fait bien japonais, ça. Ah ouais, bah alors ça se confirme, il doit y avoir 6 mondes, et ça bah c'est la transition alors. Et apparemment c'est encore un monde avec de l'herbe, des arbres et tout, ouais c'est... Bon en même temps, vous voulez qu'il fasse quoi d'autre comme environnement? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Un coin un peu avec du feu et tout, ouais mais bon, ça correspond pas réellement à l'histoire. Bon on va voir. Mais d'abord, je veux réussir celui-là, c'est... C'était tellement possible là! J'aurais pu largement y arriver. Mais bon, on se reconcentre. Tout va bien. En route. Il n'y avait rien de compliqué, à part à la fin. Il faut pas que je m'affole. Il faut que je fasse... Alors, là, est-ce que je peux faire du sol? Ah ouais, c'est peut-être plus... Ah non, c'est pas bon. Je me sens pas à l'aise à le faire du sol. Putain, alors là, il va me... Oh mais putain de... Oh, chiotte! Non mais là, c'est impossible maintenant que je le rattrape. Déjà tout à l'heure, j'ai joué comme un... Ah ouais, si, je m'étais chié ici. Ouais, mais là, j'ai perdu beaucoup trop de temps, là. Putain. Allez, relève-toi. Oh là là, oui, ça, il y a ça aussi. Oh, merde! Et là, faut que je remonte, non? Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, mais laisse tomber. Quitter. Oh, c'est pas évident. J'ai vraiment joué comme un boss au premier. Et... Ah, ça va. On revient vite au menu. On retourne vite. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est bon. Oh, putain. Parce que ça, quand on doit refaire des trucs et qu'il faut 30 ans pour que le menu se charge et 30 ans pour que tu reviennes à la course, c'est extrêmement chiant. J'ai l'impression... Non, ouais, ça va. J'allais dire, j'ai l'impression de perdre du temps. Faut pas que je m'accroche, par contre. Ça me fait perdre trop de temps. Voilà. Il a un petit... Ah, allez! Putain, des moments, il faut vraiment que je tourne correctement le joystick. Je m'y suis pas encore totalement fait. Hein. Et pourtant, les joysticks, nous, on en manipule depuis longtemps, hein, mais... Putain, alors là... Allez! Là, il l'a pas fait, là. Oh putain! Ah, il vient carrément jusque là, ce con de poulet. Et ce qui est con, c'est que des fois, je veux actionner mon hélice en haut de mon saut et... Putain! Faut que j'arrête de m'affoler, faut que je le tourne correctement. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Faut pas le tourner vite, mais faut faire des tours. Parce que moi, j'avais tendance à pas faire des tours complets et à plus faire du gauche-droite pratiquement hein, avec mon joystick. Mais en fait, il faut vraiment tourner, quitte à ce que ce soit peut-être plus lent. Mais au moins voilà le résultat. Et je vais peut-être moins me... Ah, oh, ça, c'est une bonne idée, ça, parce que normalement, il... Alors, attendez. Putain, mais... Je veux aller trop vite. Putain. Oh, on a même pas eu le temps de voir le menu là. J'ai appuyé sur croix direct. Putain, je reçois des messages, des appels. Mon portable il en peut plus là. Oui, c'est bon, je serai là, mais bientôt. Putain. Allez. Je me concentre. Ah putain, là j'ai mal tourné. Ah si, c'est bon. Et surtout, là, au moment de la glissade, à la fin, c'est bien de sauter. Ah, putain, là, je l'ai mal fait. Ah, putain, je l'ai mal fait. Ouais, faut sauter, parce que sinon, après, il glisse un petit peu sur le cul, encore, sur le sol, et on perd bien 2 à 3. Mais putain, mais... Mais qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai sauté, pourtant!
Je perds du temps pour rien. Elle est là. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Non mais franchement, je l'ai passé super facilement la première fois. Et là, je me chie, mais d'une force. Bon, je sais que c'est pas obligatoire que je fais ça, vraiment. Mais ça m'énerve, parce que c'est une course. Et j'adore... Pour moi, c'est vraiment des bons challenges, ça. Ça sort un petit peu de l'habitude qu'on a du jeu de capturer les singes et tout. Ça apporte quelque chose. Et pour moi, c'est quelque chose qui doit être fait. C'est bon, ça me stresse, ça me frustre. Mais j'éprouve pas mal de plaisir quand même à le faire. Donc, voilà, c'est amusant. Frustrant, mais amusant. Mais en même temps, c'est le but d'un jeu, quoi. Un jeu, si on y arrivait à chaque fois, il n'y aurait aucun intérêt. Enfin, du moins, pour moi, je pense. Parce que, ouais, un jeu où tu arrives tout le temps, est-ce que ce serait réellement un jeu? Enfin, après, chacun ses définitions d'un jeu, quoi. Enfin, bref. Alors là, bah, faut que j'aille vraiment doucement, quoi. Que je me mette bien dans la lignée du truc. Tac. Allez. Voilà. Bon, je pense qu'on a passé le plus dur. Voilà. Parce qu'après, là, il n'y a qu'un grand saut avec l'hélice. Voilà. Après, on va arriver vers de la lave. Donc là, on va se laisser tomber. Tac. Hop. Hop. Putain. Non, je me suis fait quand même avoir. Putain. Oh là là. Il va encore m'avoir. Il va encore m'avoir, ce con. Bah ça y est, il m'a eu. Hein. Ça y est, il est arrivé à la fin. Putain, mais c'est pas... Mais qu'est-ce qu'il fait? Quitter, j'ai dit. Oui. Et je reçois encore un appel. Mais attendez. Mais les gens, des fois, si je réponds pas, c'est que voilà. Attendez. Bon. Putain. Bon, bah, on va y passer jusqu'à l'heure, du coup, hein, presque. Oh là 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 là. Je vais pas y arriver. Ah, ce qui me fait le plus peur, moi, c'est... Putain, la lave, elle m'a bien fait chier quand même. Je pensais que je pouvais la passer avec le super saut, mais non. Lui, je crois qu'il peut faire un saut de dingue, lui. Donc forcément, il perd pas de temps. C'est là qu'il faut que je lui prenne beaucoup d'avance. Hop. Ah, et là, mais... C'est ce qui me fait le plus peur, ça, franchement. Allez, allez. Oh, c'est bon, il s'accroche heureusement. Allez, allez, allez. Ce serait bien que je puisse passer la lave, mais non. Je vais pas le faire. Là, peut-être que je... Non, 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 je préfère pas. T'as mis lui, il peut faire des sauts, mais... Ah, mais c'est bon, trop tard, là. C'est encore jouable, mais là... Oh non, il s'est accroché. Mais putain. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Ah mais j'ai vraiment failli avoir de la moule en fait la première fois que je l'ai fait. Si je m'étais pas loupé là, je l'aurais eu en fait. Faut vraiment que j'essaye de passer par-dessus le premier truc de lave. Et en fait, quitte à me faire avoir par la lave, et ben ça me fait perdre moins de temps. Donc, quitte à se faire cramer, et ben je vais tenter le coup. Allez, saute, voilà. Je saute un petit peu avant parce que tout à l'heure, il m'a fait le coup de... Oh non, je veux pas sauter, non, non. Bon, là... Hop, allez, l'hélice. Bien. Maintenant, tu restes sur ton rebord. Voilà. Et là, on va tenter le tout pour le tout. On saute bien au bord. Et c'est parti. Allez, allez, on mouline, on mouline, on mouline, 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 mouline. Tout à l'heure, on y était presque. Donc là, il n'y a aucune raison. Voilà. C'est bon, ça. Putain, il est juste derrière ce con. Mais putain, il a pas fait l'hélice. Mon micro. Putain, il a pas fait l'hélice. Il a pas fait. Non, j'y arriverai jamais. Je
je me suis affolé. Et comme il me talonne, ce con! En route. Putain, il va me faire chier jusqu'au bout, celui-là. Ouais, j'ai le pouce qui commence à fatiguer au bout d'un moment là. Même si pour le moment j'ai pas trop mal. Mais je suis tellement stressé en plus en même temps que ben. Ça arrange pas les choses quoi. Bon, et là. Allez, allez! Voilà. Allez, on saute comme ça, bien sûr. Là, 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 on peut y arriver là. Là, surtout là. Tac, tac. Ah putain, j'ai pas fait l'hélice au bon moment. Donc on va se laisser... Ouais, si, obligé de se laisser tomber. Et là, est-ce que je peux... Non, je peux pas passer. C'est pas possible. Putain, là, j'aurais pu. Putain, mais lui, il est où, là, pour une fois? Il est loin, oh. Je lui ai pris pas mal d'avance. Bon, faut pas que je me chie. Attention. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon. Oh, je l'ai eu. Oh, j'ai eu ma dose de stress pour la journée là. Oh. Bon bah je vais débloquer le deuxième jeu, le deuxième mini-jeu, et puis on va y aller quoi. 5. Allez, parfait, parfait. On va finir avec le mini-jeu, on va pas aller plus loin, quitte à ce que ça fasse pas une heure. Parce que là j'en peux plus, je peux pas continuer. On va sauvegarder. Et on va aller tranquillement voir ce que c'est le prochain jeu. J'espère pas que c'est un jeu stressant parce que là... Oh putain, là je vais exploser sinon. Je vais entrer en ébullition. Ah mais je l'ai eu. Je l'ai eu. Alors sauvegarder, tac. Oui. Bien. C'était pas donné. Au départ ça a failli mais... Continuer la partie, oui. Ouais, je vais quitter. Et on va aller voir un petit peu ce que c'est que ce second mini-jeu. Et apparemment, ben après c'est 30, mais en tout il n'y en a pas 30 des pièces de spectre. Donc est-ce qu'il y a d'autres mini-jeux après à débloquer? Je pense. Je crois qu'après ça va jusqu'à 60. Hein. Ah mais... Attends, ben non en fait. Ben non parce que... 40... Ah mais c'est 40. Ah. Ouais, même il y en a plus de 40 je crois des... Ah oui, la box! Mais attendez, mais ça... Mais ça, je m'en souviens carrément. Je crois que j'arrêtais pas d'y jouer à ça, la box. On jouait énormément à deux, il me semble. Oh, l'image, elle vient de me... Oh... Je crois que c'était un bon jeu, ça. Pas un bon jeu. Option. Ah ouais, mais je me souviens de ça. Oh là là. Vibration... Ouais, bah oui, ouais, supprimer score, non, retour. Démarrer. Oh, alors, comment on fait déjà? Conseil. Incliner vers l'avant. Ah ouais, mais carrément, carrément, je me souviens. Putain, j'ai même mon téléphone fixe qui sonne maintenant. Bon, bah, à tout à l'heure. Bon, voilà, on est de retour. Là, il y avait... J'ai reçu un appel, et carrément sur le fixe, donc... Bon, il fallait que je décroche parce que, je sais pas, ça semblait urgent, mais en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui s'est gouré de numéros. Oh, génial. Enfin, bref. Alors, on en était où? Alors, on en était à incliner vers l'avant pour frapper. Enfin, mais là, rien que la position du singe, elle me dit quelque chose, déjà. Pour frapper, incliner vers l'arrière pour frapper. Incliner vers l'avant pour frapper, incliner vers l'arrière pour frapper. Oui, bon, si tu veux. Appuyer. T'aurais pu dire incliner vers l'avant et l'arrière pour frapper. Enfin bon, appuyer sur rond pour revenir en arrière. Pour revenir en arrière. Ouais, bon, si. Ouais, oui, d'accord, dans le menu. Incliner vers l'arrière pour se protéger. Je croyais que c'était pour frapper. Pro, yo, yo. Incliner vers l'arrière pour se protéger. Bouger vers la gauche ou la droite. Attends, mais. Ah oui, il y a les animations à gauche. Ah ouais, d'accord. Bouger vers la gauche ou la droite pour balancer votre... La gauche ou la droite, bah oui. Pour frapper sans arrêter, le bon moment est important. Ouais. Bon, ok, bon, on va y aller, hein. Alors, il y a championnat, entraînement, mode match.
On va juste faire un match ou alors un championnat. Allez, un petit championnat, c'est parti. J'espère pas qu'il sera trop long. Alors moi, il y en a un que je prenais tout le temps. Je crois que c'était Bruno. Enfin bon, on s'en fout. Alors, Naz. D'accord. Ah, il y en a 5, 5 combats. J'espère que c'est pas trop long. Alors. Ah oui, je faisais ça, je crois. Je faisais ça pour les attaquer à chaque fois. Oh putain. Ah oui. Comment? Où je faisais ça, une espèce d'alternance entre les... Ouais, c'est... Mais je me souviens que comme j'y jouais à ce jeu... Mais je pense qu'il y a une technique à prendre. Hein. Parce que j'étais vachement bon au bout d'un moment. Putain, il me lamine là. Là, il me lamine, je crois que je vais vite être... Mais j'y arrive pas. Comment on fait pour... Ah d'accord, là je fais des avant-arrière là et apparemment ça marche. Ouais, enfin bon. Ouais. Ouais, c'est bof. Enfin, c'est bof, mais... C'est dommage parce que je me souviens m'être énormément amusé à ce jeu. Peut-être qu'à deux, c'est plus fun. Peut-être. Ouais. Bon, on va faire qu'un round, hein, parce que... Enfin, qu'un round, qu'un match. Après, on va quitter, du coup. Et je suis sûr qu'il y a... Il doit y avoir un moyen de bien se battre, mais... Là, je me protège, comme ça, là, je lui fous un coup. Faut être patient, peut-être. Tac, je lui fous un coup, là, je me protège. Ah, là, je rattaque. Ouais, c'est ça, faut être stratégique, quoi. Ouais, mais c'est pas évident avec les joysticks, quand même. Hein. Et si on fait ça, là? Et il kiffe pas, ça. Ah, mais c'est comme ça que je les battais, non? Attends. Ça a l'air pas mal, ça. Ah, mais au bout d'un moment, il comprend ce que je fais, non? Ah non, ça va. Il a l'air de galérer un peu. En plus, je lui fous deux coups de poing à chaque fois. Ça augmente pas très vite, mais... Enfin, on va faire autre chose, quand même. Oh, putain. Ah, on peut enchaîner. Ouais, faire gauche-droite, ouais, mais... Ouais, c'est ça, c'est faire des gauches-droites, en fait. Oh, comme il galère, là. Ah, ça y est, je l'ai mis à terre. 2, 3, 4, 5. On va aller jusqu'à 10, là, non? Oui, c'est le premier. Ah non, 9. Il se relève. Oh putain, cet enfoiré. Ah, on va pas faire tout le championnat. Hein. C'était juste pour voir un peu ce que c'était. J'aurais juste dû faire un VS, mais bon. Allez, round 3. L'ultime battle. Allez, il attaque. Tac, gauche, droite. Ah oui, ça c'est pas mal. oh oui, oh là là. Ouais, j'enchaîne là. Oh là 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 là. Oh, en fait, faut toujours faire pareil. Ouais, oh, il se régénère vite là-haut. Il va se relever encore. Ah, il est KO. Vainqueur, Bruno. Bon, oh, mais écoutez, on se laisse là. On va se laisser ici. Écoutez, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. J'espère que cette partie vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Et donc pour le cinquième... Qu'on appelle ça, ouais, le cinquième... Le cinquième monde, ouais. Ouais, le cinquième monde. Et peut-être après, donc, le sixième monde technologique. Et après, peut-être qu'on aura terminé. Et ouais. Allez, ciao à tous. Et à la prochaine.